25 avril 2024 s'est tenue une réunion de sensibilisation afin de réserver un accueil digne au chef de l'État. Réunion présidée par l'IDPS et l'Union Sacrée. Prenant la parole, le président Chimba a rappelé l'essentiel sur cette convocation et a attiré l'attention de tous sur les sacrifices de tout un chacun pour la nation. Et il a aussi rappelé que l'Union Sacrée n'était pas une exclusivité de l'UDPS, mais de toutes les associations et partis politiques, ce qui est la volonté du chef de l'État. Je vais vous présenter sur cette table, le président Fidel s'est déjà présenté. Il y a le vice-cordon Serge Moussassa et le deuxième cordon Jean-Paul Sénat. Pourquoi je présente ce petit bureau? C'était le petit bureau provisoire qu'on avait fait à l'époque. Moi, je suis de l'avis que ce bureau ici devra évoluer. L'Union Sacrée n'est pas l'apanage de seulement des leaders. Donc, c'est la volonté du chef de l'État que nous voulons vraiment protéger, préserver. Sauf qu'au niveau d'ici, je crois que nous devons nous organiser autrement. Nous avons aussi besoin qu'il y ait d'autres personnes ici. Bien sûr, la présidence sera d'être principalement de l'UDPS, d'être président Moussassa ou quelqu'un d'autre qui pourrait être capable d'assumer, parce que ce n'est pas un rôle de ministre. Donc, c'est la démocratie. On le fera après tout ce qu'on est en train de faire aussi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est quoi? D'être à chaque fois quand nous ne nous réunissons que quand il y a des événements. Donc, ce n'est pas bien. Si nous voulons être organisés, nous devons être dans la continuité. Ce qui va nous permettre d'évoluer. Parce que si nous venons seulement parce qu'il y a tel événement, ce n'est pas bien. Donc, vous allez constater que je suis aussi fatigué. Je suis sorti de chez moi hier à 6h pour voyager à 22h. Je suis arrivé ici à la maison, il était presque 11h30, le temps de me débarbouiller, direction ambassade, de l'ambassade, je suis là, donc je suis fatigué. Si on va venir parce qu'on va gratter quelque chose, ça peut relever de l'utopie, mais n'empêche que, en tant que père de famille, si il constate que bon, je suis venu rendre visite aussi à mes enfants. Voilà. Mais au préalable, nous devrions nous munir de cette bonne volonté. Être à même de dissuader ceux qui abreuvent. Vous habitez dans ce pays. Il y a l'ancien député Mamba qui est en train de recruter pour le compte de Corné Nanga et leur association de traîtres de la République. Et ils viennent avec des sacs d'argent. Ils donnent. Cette situation devra nous inquiéter. Pourquoi? Parce que ça commence à s'organiser petit à petit. Nous savons, la force de la résistance. Nous sommes des Congolais, nous nous connaissons. Nous sommes un peuple passif, mais très souvent naïf. Pourquoi? Parce que à cause d'un petit billet de banque, nous sommes même capables de vendre nos propres familles. Donc, voilà pourquoi j'avais voulu d'abord vous brosser cet état avant de rentrer dans les difficultés. L'ambassade a la volonté, apparemment, n'a pas de moyens. L'ambassade attend le mot de passe, le protocole d'histoire, ça veut dire le service d'avance qui va commencer à arriver demain après-midi. Pour être clair, il y a encore de l'ambiguïté par rapport à l'organisation. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est quand même déplorable. Nous devons faire tout à ce que nous arrivons quand même à évoluer au niveau du fonctionnement de l'État. Je me réserve d'autres vérités. Maintenant, à son tour. La parole, le président Serge Moussassa a fait un récapitulatif par rapport à la réunion faite à l'ambassade par le prof Émile Ngoï
ambassadeur plénipotentiaire, le lundi 22 avril. Les préparatifs de l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici en France. Comme le président Tim vient de vous présenter tout à l'heure, nous étions avec l'ambassadeur. Nous sommes partis poser la question à l'ambassadeur pour savoir comment les choses sont organisées et comment l'Union sacrée que nous, nous représentons nous tous peut être intégrée dans l'organisation de l'accueil de différentes cérémonies, le vernissage de l'ouvrage du chef de l'État. Il y aura un nombre restreint. Parce qu'ils ont insisté pour qu'on augmente un peu le nombre de gens. Le Quai d'Orsay est catégorique, puisque le chef de l'État vient ici en visite officielle. Donc, ils ont la responsabilité de sa sécurité. Ils veulent un nombre restreint pour qu'ils puissent avoir le contrôle. Ils ne veulent pas les débordements. C'est ainsi, il a réchité pour dire que l'événement le plus important, ça sera le premier où le chef de l'État va s'adresser à la communauté congolaise. Il faudra que chacun d'entre nous commence d'abord à se mobiliser lui-même et mobiliser autour de lui tout le monde pour que la salle soit pleine. Nous ne voulons pas arriver à un résultat qui sera médiocre. D'où la réunion d'aujourd'hui, comme le président Tim l'a convoqué. C'est pour nous sensibiliser, nous mettre directement au travail, voir comment nous pouvons aller au-delà pour sensibiliser nos compatriotes et surtout aussi faire en sorte qu'il y a un groupe de gens qui est en train de diffuser le message pour décourager nombre de nos compatriotes de ne pas venir le premier accueillir le chef de l'État en disant qu'ils viendront pour saboter l'accueil du chef de l'État, créer de l'insécurité. Je pense que beaucoup de gens, quand ils entendent insécurité, ça peut devenir comme un obstacle pour qu'ils se déplacent. Mais nous, tous, nous allons être là pour la sécurité. Et la réunion s'est terminée dans une ambiance festive et conviviale. Fatih Béton. Avec Kodiassimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, un tselé au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalébo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiassimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiassimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mayebo, depuis le coup de son boca.
Mamba Galaxy Mambo Tozolia. C'est Mambo Galaxy. Tozo sala pana bana mboka. Yangwana Kongole, pona esiko yokolela, or ke ba Kongole to yebali. Osale 6 mois, okuni na probleme. Tie musa na misu. Une Galaxy Mambo. 8 ans. Quel restaurant? Et ça moussikate. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh! Sepela TV ezali décodeur ya bana mboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala nango ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o kolisa nango na poche. Et na kosi na poche ya veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc, il y a plus de 500 chaînes, surtout à Kitoko. Il y a un choix, il y a Congolais. Congolais, c'est comme tu as eu. Donc, Congolais, c'est comme tu as eu. Congolais, c'est comme tu as eu. Il y a un choix. Donc, Congolais, c'est comme tu as eu. Donc, c'est la TV. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement. Il y a un abonnement par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision, là. Toujours. Salon Membe One, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.